Grand Lille TV, l'info en continu. Lundi 29 mai, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information, nouveau flash qui commence avec vos prévisions météo d'abord en ce lundi. La métropole lilloise va baigner sous le soleil quand la côte d'Opale va encore subir des orages aujourd'hui, notamment dans la matinée et en fin d'après-midi. Au niveau des températures, elles vont rester assez élevées, de 14 à Calais à 16 pour Lille et Saint-Omer le matin. Cet après-midi, un temps lourd va s'abattre sur le nord et le Pas-de-Calais, entre 28 degrés à Boulogne-sur-Mer et 30 degrés sur la métropole lilloise. Soyez donc vigilants à cause de tous ces orages qui arrive au-dessus de nos têtes. Dans l'actualité, le président du groupe Front National de la région des Hauts-de-France a organisé une conférence de presse la semaine dernière. Son sujet, le camp de la Linière de Grande-Synthe, détruit par les flammes le 11 avril dernier. Le groupe Front National estime à 18 millions d'euros le coût de fonctionnement de ce camp entre les mois de mars et de mai 2016. Une estimation bien supérieure aux près de 4 millions pour un an qu'avaient annoncé les pouvoirs publics. Alors, selon Philippe Emery, cette somme annoncée ne prendrait pas en compte les coûts indirects et les contributions des collectivités locales, d'où la différence entre les deux estimations. Un véritable gouffre financier selon le Front National qui n'a pas résolu la situation des migrants sur le sol français. Bref, un échec comme il l'a expliqué au micro d'Idil Gunay. C'est un vrai chemin de croix pour nous que d'obtenir de la préfecture les documents. Nous n'avons pas eu les comptes rendus des réunions de comité de pilotage de toute l'année 2016 et ils ne daignent pas nous transmettre les bordereaux des mandats qui ont été émis pour payer les différents prestataires. Donc on cherche à nous cacher, et c'est là ce que j'appelle la loi de l'omerta. Nous arriverons toujours à nos fins parce que on nous parle beaucoup de moralisation, il y va aussi de l'exercice du mandat et on ne voit pas pourquoi on cacherait aux Français ce que coûte vraiment l'installation d'un camp de migrants. On ouvre une page présentation des entreprises des Hauts-de-France et on commence avec ce petit goût de futur à Roubaix et cette invention récente mais qui a déjà fait le tour du monde. La société Dagoma a lancé la commercialisation de sa nouvelle imprimante 3D appelée Neva. Elle peut être utilisée par n'importe qui. Vous avez juste besoin d'une carte SD sur laquelle vous avez téléchargé le dessin 3D de ce que vous souhaitez imprimer. Téléchargement possible depuis les plateformes sur internet prévues à cet effet. Vous pouvez imprimer des objets qui peuvent faire jusqu'à 18 cm de diamètre et 20 cm de haut. Alors le coût de cette imprimante 3D, 500 euros. Et d'ailleurs une imprimante qui est d'un nouveau genre puisqu'elle est composée à moitié d'éléments imprimés depuis d'autres imprimantes 3D, ce qui permet de créer de la déco, des objets du quotidien. Écoutez et découvrez son concept expliqué par l'ingénieur de Dagoma au micro d'Alexis Tessier. En fait, la Neva aujourd'hui, c'est l'imprimante la plus simple de sa génération. Elle révolutionne concrètement comment on utilise l'imprimante 3D. On a repensé totalement l'usage pour que finalement chacun puisse lancer, sans aucune connaissance technique, une impression 3D. Ça devient aussi simple qu'utiliser une machine à café. Comment ça fonctionne? Il suffit de récupérer un fichier 3D. Aujourd'hui, des fichiers 3D, il y en a des millions sur Internet. Donc on trouve ce fichier 3D, on le prépare avec le logiciel qui est très simple d'utilisation, qu'on a développé, et vous le mettez sur une carte SD, vous l'insérez dans la machine et vous appuyez sur le bouton. Et à partir de là, la machine démarre automatiquement. Vous n'avez rien à faire en fait. Rien de plus simple donc. Et puis, entreprise toujours, et c'est le grand angle de la rédaction. À Saint-André-les-Lilles, l'entreprise de confection textile Le Mailleux est une affaire familiale depuis maintenant plus de 70 ans. Au fil des décennies, elle a réussi à innover pour résister au déclin du textile en France. Ici, pas de délocalisation en Chine ou dans d'autres pays à bas coût de production. Un gage de qualité à la française, de Made in France et une recherche de l'innovation permanente. La deuxième génération de patrons menée par Edith Lemayeux et par son mari Olivier Dierre est en train de passer le flambeau à leurs enfants, la troisième génération de dirigeants donc. Une succession qui semble bien se dérouler avec une session d'embauche record en perspective. Bref, cette entreprise semble bien se porter. Présentation plus poussée avec Xavier Silly. La filière textile reviendrait-elle en force dans la région? À Saint-André-les-Lilles, l'entreprise Le Mailleux contribue en tout cas à cette tendance. Implantée depuis 70 ans, cette entreprise spécialisée dans la confection de sous-vêtements est un emblème du Made in France. Mieux,
Elle fait partie des quelques 19 entreprises françaises de confection textile à bénéficier du label Origine France Garantie, qui justifie l'implantation nationale des produits. Une reconnaissance pour une entreprise qui a toujours pris le pas de l'innovation, comme l'affirme la co-dirigeante de la deuxième génération Le Mailleux. L'entreprise a démarré avec une fabrication quand même maille de spécialisée sur les sous-vêtements. Et au fur et à mesure des années, nous avons développé différentes mailles, mais toujours sur ce même savoir-faire, avec des sous-vêtements quotidiens, une spécialité de sous-vêtements chauds pour l'hiver. Et nous avons aussi mis en place des innovations avec des cosméto-textiles, c'est-à-dire intégration de microcapsules et d'actifs cosmétiques ou d'huile essentielle dans le tricot pour que le vêtement devienne quasiment un patch géant. Différentes innovations de cette manière pour être toujours dans un travail de niche. Un travail de niche qui répond aux attentes, mais si le maillot est aussi important aux yeux des marques de vêtements comme le slip français, c'est aussi pour son ancrage local qui permet d'être plus réactif. La force de la fabrication française, c'est d'avoir un produit de qualité, d'avoir un produit sur lequel on peut effectivement innover et avec une grande réactivité de livraison. Pas besoin pour nos distributeurs de s'approvisionner 6 mois ou 1 an à l'avance. Ils nous commandent en fonction vraiment de leurs besoins quotidiens. Le résultat est là. Cette année, le chiffre d'affaires a augmenté chez Le Mailleux de 15% après une augmentation l'année dernière de 10%. De belles perspectives qui nécessitent pour l'entreprise de relancer la filière textile en région avec de nouvelles embauches attendues. Ce développement de produits innovants, de partenariats avec des marques et puis nos propres produits fait que nous avons à développer notre personnel. On est aujourd'hui 95 personnes et on cherche à recruter environ une vingtaine de personnes. Et donc pour ça, nous avons mis en place un atelier de formation interne parce que dans le textile français, malheureusement, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de formation autre et donc nous devons nous débrouiller tout seuls. De nouveaux marchés, de nouveaux emplois. À Saint-André, Le Mailleux compte bien continuer de tisser sa toile bleu-blanc-rouge. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau flash d'information. Très bon lundi avec nous.